papier d'identité, à la carte bancaire autour de sa fille. Il les a perdus hier et bien sûr vous vous présentez à la caisse. Et direction la télévision. Les légendes. Et toi Jean-Jacques avec l'interview dans quelques instants. Allez, c'est parti pour votre information avec le retour des pilotes des légendes ce week-end. Écoute, quelqu'un, là t'es hilar, heureuse en plus. Une belle course et le meilleur temps. Là, on ne s'attendait pas à faire une Q3 comme ça, mais de pouvoir faire ça sous ces conditions, c'est génial. Et même si c'était un peu sur des deux, vraiment super. Ça glisse beaucoup quand même. Merci Jean-Jacques, t'étais bien hein, Jean-Jacques hein. Allez, retour en piste avec en effet les pilotes des légendes qui sont avec nous ce week-end. Là vous avez le premier plateau qui est devant vous avec tous les pilotes des légendes qui étaient au premier Légion du Festival qui ont pu donner la Fidelia quand on a deux groupes de fils. Michel Dormillon qui passe devant vous. La Matra Murena de Alain Kimmeler également qui est en piste. Ouais, t'es content. Quoi. Ah oui, bah déjà hier. On devrait faire des photos là-bas avec nous parce que alors, les sourires et tout, je pense qu'il y a vraiment des belles photos à faire ouais. Avec tous d'ailleurs. Voilà. Tous les pilotes, quand ils viennent comme ça, c'est. Et oui, c'est vrai, c'est important, le sourire la à la sortie des villages et même l'émotion de Léna Caron tout à l'heure qui avait remporté. Sa série. Donc on parlait des pilotes des légendes qui sont en piste avec Lambert Gallon et la Renault 5 Maxi. Michel Gambillon qui est en piste avec la Sim Camille. Dans la Sim Camille. Pierrot Gourmand à la Émile Suchet avec Patrick Grigou, un nouveau venant de cette magnifique série. Et là, ils sont sur le humide. Et bah écoute, il n'y a qu'à continuer, on ne s'arrête pas, hein, derrière. C'est parti, là, on est à le humide ce matin. Hein. Bah, c'est génial, après on retrouve le championnat junior, la division Super 1600 et la division Supercar. Allez, Lambert Gallon les fait en piste avec ses Renault 5 Turbo. C'est bien parce qu'on voit Martine qui est en train de ranger ses papiers, tu vois, devant voilà. Nous. Là. Notre assistante s'occupe de nous. Oui, oui, tu vois, elle fait. Elle est là, tranquille, c'est des jolies cartes, voilà. Et elle prépare nos fiches pour la série d'après. Allez, les pilotes de l'Union qui sont toujours aussi sympas de retrouver les voitures des années 80-90. Allez, avec Michel Gambillon qui en termine, on était en mode deux motrices ici sur cette première série. Bah, ouais, on a des Martines qui sont géniales. Ah, il y a des Martines autour de des Martines, des assistants. Et vous qui êtes sur le live streaming, vous profitez voilà, des images et de la deuxième série qui arrive. Avec, on passe en mode. Autos. Ah oui, les grosses autos, on passe. Les WRC. Et ouais!